Ça tourne ? Ah oui ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour aller faire une petite dégustation de fruits au poney, voir si les loulous sont difficiles ou pas, leur faire découvrir des nouveautés. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti ! Bon, en vrai j'ai pas pris que des fruits, j'ai également pris des légumes, mais aujourd'hui on va s'occuper des fruits et dans une prochaine vidéo vous verrez la dégustation des légumes. Ne sachant pas ce qui est mauvais ou pas pour les poneys, pour le choix des fruits mais également des légumes, j'ai choisi la facilité. Je suis tout simplement allée voir les vidéos de Capucine d'il y a maintenant plus de 2 ans où elle avait fait goûter des fruits et des légumes à ses loulous et du coup j'ai juste repris ce qu'elle avait choisi. Donc au niveau des fruits, j'ai pris la pomme, la poire, la banane, la framboise et bien évidemment elle prend la pêche, mais comme une guiche j'ai oublié la pêche, donc voilà, il y aura seulement la pomme, la poire, la banane, la framboise. Voilà, tant pis, le cinquième il n'y en aura pas, c'est pas grave. Donc là on va aller donner à manger aux filles. Comme ça, on va en profiter pour commencer avec Monsieur Bilbao. Et puis voilà quoi, on est parti. Bonjour mes doudous. Salut. Bonjour mon cœur. Bonjour. Bonjour gossip. Bonjour mon bébé. Et la petite Golden, elle est où? Elle est là la petite Golden. On est parti, on va aller donner manger au féfé. Et on va aller déguster tout ça tous les deux. Hein, on est amoureux. C'est parti. Premier test, la pomme. Tu dégustes, bébé? Tu aimes bien? On teste. Bon bah. Hein, il n'y a pas photo, hein. La pomme, ça va, c'est quelque chose qui connaît plutôt bien Monsieur Bibi. Oui, allez, croque comme ça, les filles elles auront plus facile à goûter après. Merci. Garde la place pour les autres. Eh non. Mais il m'a pris la moitié de la pomme, lui. Gros tava. Je suis avec Miss Gossip et Miss Golden qui ont fait acte de leur présence. Nous allons donc tester la pomme. Tu goûtes la pomme? Allez, on croque. On croque. Oui. Oui, c'est bon. C'est bon. Ah bah ça, elle kiffe là. Bon bah, la pomme est validée par tout le monde, hein. Ça je pense, c'est un basique des friandises pour Loulou. T'aimes bien? La manger parce que Bibi il a mangé la moitié, hein. Fruit numéro 2, la poire. Est-ce que Monsieur Bilbao aimera la poire? Bon, c'est un peu préparé que la pomme. Pas niveau goût, mais niveau texture. Voyons voir. Bah attends, doucement. T'aimes bien? T'aimes bien? Bon bah, je crois qu'il valide également la poire. Oui, c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de poire. Faudrait vraiment que je me remette à manger des fruits. Parce que moi et les fruits, j'ai du mal, hein, j'aime pas. Et le souci c'est que, vu que j'ai ma dent qui est cassée, là, oui, oui, là, bah le souci c'est que je peux pas vraiment croquer dans les fruits de peur de péter la dent parce que c'est juste un composite. Donc c'est vrai que prendre le temps de couper, oui, et oh, de couper les fruits en morceaux et tout pour ne pas avoir à croquer, c'est du temps à prendre et je ne l'ai jamais pris. Donc c'est pour ça que j'ai quasiment plus trop mangé de fruits, mis à part les fruits qui se mangent direct comme ça ou qui sont très mous. Mais c'est vrai que tout ce qui est pommes, poires, j'en mange pas beaucoup parce que faut croquer et croquer, j'ai trop peur de casser ma dent. Bon, du coup, une dernière et après on passe aux autres, hein. Et pas tout. Et tes copines, elles vont en avoir? Non, elles n'en donneront pas. La poire, t'aimes bien la poire? Oh, bah elle fonce dedans quoi. Non Bibi, toi t'en as eu. Bon, elle valide aussi la poire. Golden, tu valides la poire? Golden, tu valides? T'aimes ça? T'aimes bien? Bon, elle valide aussi. Mais doucement, mais doucement.
bande de brutes. Moche. Oui, oui, ça y aime bien. Oui, doucement. Oh là là. C'est pas évident avec trois monstres, hein. T'en veux, Bibi? On mange un peu. Oui, allez, terminez le fruit. Là, moi, oh, elle est... Regardez l'état de la main. Regardez ma main, elle est remplie de bave, de jus, de fruits et tout. Oh là 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 là. Personnellement, je pense que là, il va faire la gueule. Parce qu'on part directement sur toute autre chose. La banane. Bon, quoique que comme je le vois en train de venir fouiner. Attends. Tu veux manger la banane? Mais attends. Hé hey. Ouf. Ouf. Il marche? Oh, j'ai plein de poils. Perds tes poils, Dudou, avec la... Oh, le grand garçon. Oh, bah alors. Moi, t'en vois pas ta tête. Ah bah, oh bah vas-y, crache. Voilà. Regardez ce qu'il vient de faire. Il vient de me cracher sur la jambe. Ouh, ça bascule, ça bascule. Donc, voilà. Il a goûté quand même. Il a goûté même s'il a craché un peu. Mais il a quand même goûté. Oh, tu vas faire... Tu vas aimer, toi, la banane? Oh. Ah non. Elle vient de la recracher direct. Non? T'aimes pas la banane, toi? Non? Moi, c'est un rêve. Ils aiment pas. Ils aiment pas la banane. Bon, bon. On aura testé la banane, hein. T'aimes pas la banane, Dudou? Non, t'aimes pas la banane. Si, t'aimes bien la banane, toi? T'aimes bien la banane? Elle teste quand même, hein. Ah si. Si, elle aime la banane. Si, Gossip aime bien la banane. C'est la seule qui aime la banane. Franchement, je suis contente. C'est bien ma fille. Ça, c'est une bonne louloute. C'est une courageuse. C'est une bonne fille, hein. Elle kiffe la banane. Clairement, elle est en train de la manger, là. Elle aime bien. Elle aime bien. Oui. Oui. Elle mange un peu. Bon, dernier fruit, le framboise. S'il aime pas, c'est pas grave en soi. Regarde, maman, elle te montre l'exemple. Mmh, c'est trop bon. Écoutez, goûte. Là. Mange. C'est bon? C'est bon, Dudou? Ah! Fais chier, il aime ça! Non! Je voulais les garder pour moi! T'en veux? Ah, bah oui, il kiffe ça! Les deux loulous sont allés dire bonjour aux passants. Mais du coup, j'ai ma petite Gossip qui est à côté de moi. Donc, avec elle, nous allons commencer à goûter la framboise, donc le dernier fruit. Me ruinez pas, ça coûte cher les framboises! T'aimes bien la framboise? Et mon chat. Eh, c'est franchement la moins difficile. Voilà, c'est la moins difficile. Elle a tout mangé. Enfin, moi, j'avoue qu'il n'y en ait plus. Mais franchement, je suis trop contente. Je suis fière de toi, ma loulouse. Je suis très fière de ma Gossip. On va tester comme ça. Golden. 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 Hé, hey, la cruche te parle. Viens là. Oh. On est par terre là-bas. Des chiens de nouilles. Non? T'aimes pas? Hé, la difficile. Ça va faire le deuxième que t'aimes pas comme fruit. Non, t'en veux pas? Goûte. Non? Bon, bah, nous avons trouvé la plus difficile. Miss Golden. Oui, oui. Oui. Difficile, va.
Bon, pour le débrief de cette dégustation, comme je l'ai dit, la moins difficile a été Gossip. Je suis très fière d'elle. Elle a mangé de tout et pour mon plus grand étonnement, eh bien, elle a kiffé la banane. Elle s'est bien amusée avec, donc je suis super contente. Je pensais qu'aucun des trois n'allait adhérer à ce fruit-là, mais au final, elle m'a beaucoup surprise. Je suis très fière d'elle. Pour Bilbao, eh bien, il a quand même fait un effort, il a goûté de tout. C'est juste la banane qu'il a pas du tout aimé, qui m'a bien recraché sur le pantalon. Mais sinon, il a mangé de tout. Et la plus chipoteuse a été Golden. Elle a goûté la banane, elle a pas aimé, mais elle a absolument pas voulu goûter la framboise. C'est dommage parce que c'est super bon. Mais bon, au moins je suis contente, j'en garde pour moi. J'aimerais faire une seconde partie avec les fruits pour pouvoir tester également la fraise et la pêche. N'hésitez pas à me dire par commentaire s'il y a des fruits que j'ai le droit de tester également avec eux pour parce que je ne sais pas les fruits qu'ils ont droit, ceux qui sont toxiques pour eux. Donc n'hésitez pas à me les mettre par commentaire. On fera une seconde partie des fruits. Et la prochaine fois, on testera les légumes, voir s'ils sont plus chauds à manger des légumes que des fruits. On verra ça dans une prochaine vidéo. Sinon, moi je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si c'est pas encore fait, à vous abonner. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez être au courant des prochaines qui vont sortir, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et enclencher la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Donc voilà, moi je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !